On est reparti instantanément, sans transition. Alors, GPRS, Siano, Wrestling. Wrestling, il fait des bonnes cartes, on va voir si celle-là, elle est bien. Parce que ça peut arriver qu'il fasse quelques couacs, des fois. Allez, c'est parti. PFR, GPS, c'est noté. Bon, là, on va sur un truc beaucoup, enfin, assez rythmé, je pense. Qui risque d'être un peu trop difficile pour de potentiels casual players. Bon, après, la compète n'est pas faite pour les casual non plus. Elle est faite pour le niveau intermédiaire. Je vais demander un niveau intermédiaire sur les maps. Mais il faut quand même que voilà les gens qui vont pas passer leur vie sur Trackmania puissent quand même s'exprimer un minimum sans avoir besoin de péter un plomb sur les cartes. Jusqu'ici, j'ai rien vu de très chelou. Ici, on pourra directement tomber avec le quarterpipe dans la descente là. C'est plutôt pas mal. Je sais pas trop comment réussir à imaginer ça. À mon avis, il faudra aller dans le bleu assez lent pour faire un drift. On va sortir correctement ici. Un peu comme sur Balade Nocturne, pour ceux à qui ça parle. Ouais, j'avoue que c'était un peu tiré par les cheveux ce que j'ai pensé. Quoi, le respawn wrestling? Attends, t'es sérieux là? Ah, faut remettre un autre respawn. Hein. C'est loin là. Il est archi loin, respawn. Faut en mettre un là. Hein. Même là, t'as la place. Hein. T'as complètement oublié, je pense. Non, c'était débile. Non, là, j'avoue que j'ai été con. Vas-y, tombe, s'il te plaît. Je peux rattraper le turtle après. Attends, c'est vraiment bloqué là. Oh, mais dans ma voiture, se fout de ma gueule des fois. Ah ouais, respawn. Non, en vrai, c'est des oublis, ça arrive. C'est des oublis, ça arrive, je connais. Bon, j'avoue qu'il y a peu de chances pour que tu craches ici en vrai, c'est juste que je suis un peu débile, mais c'est vrai que c'est un peu long quand même. Il y a moyen de mettre un ou deux respawn. Oula. C'était sombre, j'étais pas prêt. Oh, bien joué. Pas bien joué pour moi, mais bien joué à Wrestling, c'est très smart comme passage. J'ai vraiment cru que j'allais y arriver. Du coup, je suis obligé de respawn, c'est ça. Tu vois là, par exemple, Wrestling. Ceux qui étaient là la dernière fois que j'en ai discuté avec Wonder vont comprendre. Ton passage là, il sert à rien. Ça là, ça sert à rien. Enfin, sauf si. Attends, est-ce qu'on a la vitesse pour passer au-dessus? Ou pas du tout? On a la vitesse pour passer au-dessus de ça ou pas? Jamais. D'accord, donc tu veux juste forcer les gens à passer au-dessus du truc. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Je pense pas que ce soit nécessaire en vrai. C'est mettre de la frustration là où il y en a pas pour pas grand chose. Faut voir. Faut voir. Ce genre de speed check là qui sortent un peu de nulle part, je suis pas très fan. Bon, j'ai raté la fin visiblement. Ok. Bonne à toi, Shane. Le GPS direct. Ça, on va l'enlever. C'est contre-intuitif pour des gens qui découlent la trage. Ok, la fin est cool. Bon, il y a vraiment qu'un gros passage qui est difficile dans la carte. Oh, elle a l'air tellement bien par contre. Oh.
ah, ça a l'air stylé de ouf, mais je sais pas, elle m'a pas l'air tant difficile que ça non plus. Faut voir, attendez, on va regarder ensemble. On va regarder ensemble. Voilà, on fait voir. Oups. Jusqu'ici ça va. Bon, ça avec beaucoup de vitesse ce sera difficile à gérer, mais on compte sur les casus pour faire de l'overdrift. Donc ça va. Ça c'est pas si difficile en vrai. J'avais été très impressionné par le passage de Racing sur le GPS, mais en vrai ça passe. Ça ce sera un peu difficile, mais ça je gère bien. Faudra peut-être voir pour essayer de dégager un petit peu la récep quand même, j'avoue. Parce qu'on a quand même beaucoup speed parce que ton wall ride il est mal foutu, Raceline. Tu l'as trop collé. Du coup, on n'a pas trop le temps de s'y préparer, c'est pas fou. Bon, celui-là, il est un peu spécial aussi. Putain, il est chaud à passer celui-là, par contre, de manière clean. Mais ça, par contre, c'est un speed... Ouais, ça, c'est un speed check qui est vraiment relou. C'est un speed check vraiment chiant, aussi. Tricky, hein. Non, Racing. Je pète des câbles. Après, heureusement, la CFO est cool. La CFO est cool. Ah, et la fin, il est dur. Ok. Ça marche. Moi, j'aime bien. J'aime bien, je vais la prendre en potentiel. Après, on verra par rapport aux autres maps que j'aurai. Ah, c'est raté. Salut Dricou, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai vu, Drico, là. Bon, attendez, il faut que je me concentre. La map, elle est dure. Alors, c'est parti. Ça, c'est dur à guetter. Et fine, pourquoi? Pourquoi vous avez l'impression que c'est du mini-RPG ça? À quel moment? Ah mais tu peux dodge le bloc. D'accord. Ouais, à mon avis ton wall ride il mériterait une petite révision quand même, Racine. Genre ça t'as l'impression que c'est mini-RPG là pas, donc la montée d'orte et tout là. Bon là il y a un roof hit, ok. Bon, derrière, il y a ouais, la recette into drift. Ça, pareil, vous avez l'impression que c'est mini-RPG, genre? Ça, pareil, hein, c'est pas mini-RPG non plus, ça va pas juste chill. Là, c'est un drift. Bon, rien de... Bon, jump au-dessus plateforme, mais on va la retirer, ça, là, je pense. Enfin, je sais pas, en vrai, la CFO est cool, mais... A voir. Peut-être un truc moins haut pour être cool. Ah! Dommage. C'est flou le terme Wildcraft. Bah non. Personnellement je trouve pas mais... Enfin c'est flou sans l'être en fait. Si tu veux, pour moi le terme Wildcraft dessine n'importe quelle map qui n'est pas... qui n'a pas de style prédéfini et qui touche un peu à tout, tu vois. Globalement. Mais d'un autre côté, je trouve que ça définit du coup très très bien. En vrai, il faut le dodge ton bloc wrestling. L'intérêt, il est là, non? J'ai pas fait attention si tu le dodgeais ou pas en vrai de ton côté. Par contre, ce passage-là, il est insane. Tellement dur, mais insane. Les liens entre Wildcraft et une RPG dans leur dimension compétitive. Oh, tu me fais mal au cœur là par contre, quand même. C'est moi que vous faites quand même la différence entre une map type type Cherry ou type Wood Carving ou type Maqueta, donc les trois maps mini RPG des dernières années que j'ai fait par rapport à la map de Selena par exemple. Plus vite de le prendre, tu penses? Ok, je sais pas trop.
Parce que d'un point de vue compétitif, quand même, le mini-RPG, c'est costaud, hein. Je pense que c'est plutôt parce que vous ne voyez pas assez souvent de mini-RPG en compétitif que vous faites, que vous avez l'impression que c'est la même chose. C'est du tech aussi. Ce serait du tech si c'était pas de, si c'était d'enchaînement de virage, Loki. En vrai. Sinon, je suis totalement d'accord avec toi. La map de Céline, tu gagnes du temps dessus en étant bon sur tes drifts. Ah. Moche. Ah, celui-là, il est dur à optiquer. Connard, attends, fais voir un peu. Je sais pas. Parce qu'en fait, avec la courbure, du coup, tu prends un bounce que tu prends pas quand tu dodges le bloc. C'est pour ça que je pense qu'il faut cut. Speed mini RPG. Putain, faut me tuer. Je pense qu'il faudrait que je retourne sur les maps du mini championship. Enfin, du mini RPG championship series pour bien vous montrer la différence entre les deux, quoi. Ah putain, parce que je comprends qu'en vrai entre quelques maps, j'ai pas forcément les noms en tête, mais je vois les aspects. Effectivement, tu pourrais te poser la question, mais moi je vois quand même une nette différence. Ah ouais, je sais pas en vrai, c'est even. Ouais, voilà, mais c'est ça en vrai. Enfin, pour moi, de base, le Wildcraft, là, en tout cas, la première NC, je l'avais dit en mode je veux des maps comme la ZRT, mais en plus mousse. Mais le problème, c'est que bah, quand je dis ça aux gens, ils comprennent pas. Donc, du coup, maintenant, je mets type NC et on est au cœur. Tu vois? Comme ça, je pense que c'est mieux. Après, bon, on verra bien, hein. Je suis en dessous de 15 mètres. Ça va. ZRT et smooth. Ouais, mais les gens ils ont pas les bonnes références sur les maps ZRT, tu vois. Focus trop sur les maps style comment ça s'appelle Anzoka Wante, tu vois, alors qu'à côté t'as des maps style Pedilus semi prank ou je sais pas, ou Olympique, on sent la fin. Il y en avait des biens, hein, la 3 et la 4, mais j'ai oublié les noms. Je les ai pas en tête, là. Celle de Yona. Ouais, ouais, non, mais Gis, clairement, c'est... Mais tu sens la différence, tu vois. En mini-RPG, il n'y a pas de dirt. En mini-RPG, il n'y a pas de wall ride complet. Il n'y a pas de looping complet. Il n'y a pas de saut zeppelin non tricky. Il n'y a pas de random creepy, j'avoue, une très bonne. Il y a plein de trucs comme ça que c'est pas du tout pareil, en vrai. Et pour moi, c'est ça qui fait la grande différence entre bah, le style que je veux proposer ici avec le... Tu vois. Oui, il peut y avoir du dirt ou des sozep, mais il n'y a pas de... T'enchaînes pas, par exemple, monter, descendre dirt ou alors des belles grosses pelles, tu vois. Là, mais pas trop long. Bah non. Elle est comprise en... Elle fait une 0,7, non? Enfin, une 0,5. Attends, elle est où? C'est Siano. Elle fait une 15. Ah ouais, j'avoue, elle est peut-être longue. Elle est peut-être un peu longue. Attends, faut que je regarde le GPS. Ok, 3 secondes 5 à enlever. Mon GPS est en 1,06. Ah, bah voilà. Bon, ça va alors. Elle dépasse d'une seconde, mais c'est totalement acceptable. Elle va être bien celle-là en vrai. Parce que moi je la trouve pas difficile au final. À part un virage, je la trouve très peu difficile. Et elle a un flow qui est vraiment insane.
Bon, à part le dirt, là, il pue un peu. Le landing dirt, il est vraiment dur à aller chercher en full speed. Ce passage-là, par contre, il faudra que je le voie comment on peut le passer sans avoir besoin de trop triquer, mais... A voir. Ouais, t'es plus en une 0.8, une 0.9 là. Mais y a en vrai, je pense que celle-là va passer en une 0.7. Pour moi, celle-là passe en une 0.7. Après, on verra bien. Siano. Hop. Alors. Ah, Tona. Full attaque. C'est parti. Je suis d'accord, Stranger. Mais c'est le temps de validation hauteur ou WR qui m'intéresse. On verra, puis on peut la raccourcir. Hop. Raté. Raté encore. Il est dur le start. Enfin, les repères sont chiants parce que c'est pas les blocs habituels. Voilà. C'est des blocs à bug, ça, par contre. C'est des blocs à bug. Faut voir. Ah, il est dans la Novating Community, Thomas? Je savais pas. La Novating Community. Ouf. Oh. Block finish est sympa. Bon, la app elle est vraiment cool. Elle a l'air même insane. Le truc qui me fait... Mais alors chier. Mais... Limite là, j'ai envie de me tuer. C'est que c'est une map mixte. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant parce que la map est très bien. Mais c'est une map mixte. On peut lui donner on peut lui accorder le bénéfice du doute, mais c'est mixte. Ça. Bye. Ouais, mais la folie, c'est un bloc d'herbe, quoi. Ah, dommage. J'ai voulu tenter. Après, j'ai une map mix, là, déjà, à l'heure actuelle. Donc, on peut... Ouais, on peut en prendre deux. Faut que je vois quelle est la meilleure. Parce qu'il faut passer à gauche. Mix sans FS. Mix veut pas dire que t'es obligé d'avoir du full speed dedans. Hein? Les maps de la Ligue eSport, c'est du mix. Hein. Quoi faire du coup? Elle est clean en plus. Elle est vraiment clean en plus. Ah, c'est e-sport. C'est-à-dire que c'est très e-sport. Moi, j'ai pas besoin de la prendre plus longtemps. Je vais la prendre au cas où, si jamais je veux faire rien. Je vais la prendre au cas où je ferai
enfin pour marquer le coup entre guillemets. À voir. Si je veux trancher au niveau du style, je le prendrai, mais sinon. Totalement tech tech. Ou alors attends, parce que what? Oh, ça a l'air dur comme start. Bref. Tout ce qu'on... Ça, du coup, faut passer là, là et sauter là comme ça. Là, pour le prochain test map compétitif. Non, ce sera la semaine prochaine, c'est sûr, mais quand? Je ne sais pas. Ok, non, c'est pas dur du tout. Il suffit juste d'allumer son cerveau et d'ouvrir ses yeux, ça. Le fameux Soso Kaban. Wow. Ok, c'est bon. Là, ouais, là, ouais, là, ouais. Oh là, on va où? On va où? Je suis perdu. Combien de maps? Il y en a 5, je pense. Je pense en prendre 5. Mais c'est pas encore définitif. Faut aller là. Là. Ok. Comme ça. Là, on va où? On va à droite. Ok. Je vais où? Oh, putain, les panneaux. C'est le problème, je vois bien les panneaux, hein, mais je vois pas la route. Et quand je vois pas la route, bah, je suis en mode, mais t'es sûr qu'il faut aller là? Eh ouais, c'était pour la respawn. Ouais! Dommage. Wow. Attends, attends, je suis perdu. C'est quoi la trage? Tu prends ça, ça, tu vas là. Il faudra sauter directement en dessous. C'est dur à la fin par contre. T'as pas intérêt à... Si tu fais un seul accro, tu passes pas. Ok. Bonne nuit à toi, Stranger. Attends, attends, je vais regarder le GPS. À samedi. Alors, fois 7. C'est propre par contre ça. Si mon lien avec cette map c'est qu'elle est très tech. Parce que là pour le coup c'est vraiment un enchaînement de virages. Mais d'un autre côté elle est vraiment sick. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et la fin est archi dure. What the fuck? Non mais attends. Oh la fin, si dure. Ça passe pour les casus français? J'ai un doute là. Putain. Ah. Mais non. Eh mec Tu vois, par exemple, ça. Et ça, c'est enchaînement de virages. Ok, c'est bon, ça passe. Mais d'un autre côté, elle est cool. Ouais, je sais pas quoi en penser pour le moment. Faut faire un troisième run. Au moins. Ouais, ça par contre c'est vraiment le... Ouais, c'est... Ouh. Je suis passé un peu trop à gauche.
Je sais pas, j'hésite. Ça vous paraît très technique comme app ou pas du tout en vrai sur le chat là? Oh, t'es ça, je touche au start aussi, à l'aide. Franchement, j'hésite. Hein. Parce qu'il y a deux fois deux enchaînements de virages, je crois. Peut-être trois, j'ai un doute. Sinon, le reste se passe plutôt bien. Après, la map de base, elle est bien. Parce que là, par exemple... Putain, en plus, celui-là, il est dur. Je sais pas, en vrai. Parce que si on enlève la dimension plateforme mais un peu transitionnelle, pour moi c'est vraiment du full tech. Et ça m'embête parce que en fait, ça m'embête pas parce que c'est du tech, ça m'embête parce que les gens qui seront meilleurs sur cette carte-là principalement seront des gens qui maîtrisent mieux le tech que les autres. Et du coup, ça me fait chier parce que si jamais ça, imaginons que je la prenne dans le map pack et qu'elle est en finale. Et ben, tu vois, ça déséquilibre un peu le truc, alors que ben, le winner de la cup, c'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise le tech et qui sera premier parce qu'il est meilleur en tech, tu vois. C'est ça que je vais éviter. C'est pour ça que je suis chiant à toujours dire que c'est soit trop tel style, trop tel style. Et tu vois, à contrario, quand je prends la map de Stranger, il y a beaucoup de dirt, c'est entre guillemets, mais dans le dirt, il y a une montée, un landing avec un virage gauche à la fin et une pelle, je crois, peut-être deux pelles. Alors que là c'est vraiment enchaînement drift sur enchaînement drift quoi. Parce qu'en fait ici, si je prends pas assez bien ce drift là, tu te fais pénaliser déjà sur toute la ligne droite, mais aussi pénaliser là-dessus. Et si t'es pénalisé sur le drift précédent, t'es pénalisé sur le drift qui suit, plus le quatrième. Et du coup, tu finis la première partie de la carte avec... Genre, tu peux aller jusqu'à prendre point 3, point 4, quoi. Parce que là, c'est vraiment de l'enchaînement. Oh putain, il me casse les couilles, celui-là. Je pense pas que je vais la prendre. Putain de... Oh. Après, c'est pas deux qui sont ultra compliqués, mais... Là, c'est un... Enfin, c'est même pas un reset de speed en vrai, si j'en crois le GPS. Je sais pas. Je pense pas la prendre. Non, en vrai, c'est que des drifts. C'est même pas des landings à gérer en vrai. C'est juste des lignes à continuer en driftant ou non. À la rigueur, celui-là est pas tech, mais... et la fin est pas tech non plus. Mais du reste. Non, ouais, t'as pas tout raté. Ça, je la prends pas. Désolé, Fossette. Après, ta map, elle est bien. Tu peux essayer de l'envoyer, je sais bon, y a pas pour la TCS, mais pour une autre cup, tu vois. Mais là, j'avoue que... un peu trop de drift, quand même, à mon goût. Et si j'ai mauvais goût, bah tant pis. J'accepterai d'avoir mauvais goût. Aïe. Ok, parfait. Oula, moins parfait. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. J'ai plus un testing, j'ai pas... Enfin, ça va dépendre. Ce sera forcément la semaine prochaine et je pense que je referai une... Je pense que je referai une prog la semaine pro et je vous dirai. Ça va dépendre du nombre de maps que j'aurai déjà à la fin de cette semaine. Parce qu'en vrai, là, vous m'en avez envoyé beaucoup en peu de temps, mine de rien. Là, il y a quoi? Il y a 23 ou 24 maps, je crois, à tester ce soir. Ah non. Ça devient difficile à découvrir. Bon Dieu.
Ok, un petit looping, ça change. Un peu de dirt aussi, let's go. Oula, oula, oula. Oula, oula, encore. Comment on fait? Ok, juste plus tôt. Comment on fait pour aller en bas? J'ai pas suivi. Oh, attendez, je veux savoir comment on fait le risky finish. Faut juste descendre là? Après, du coup, ok. Ta map est passée? Je crois pas. Sauf si c'est celle que je suis en train de rouler, auquel cas j'en ai aucune idée. Mon dieu qu'il est... Oh le drift il est chiant mais... Non il n'y a pas de délai. Mais ce sera forcément à partir de jeudi prochain. Et c'est dur. Ouais, j'aime bien parce que ça te force à passer par la rue pour le coup. Là, celle-là, tu peux pas trop la dodge. En tout cas, si tu veux garder de la vitesse. Ah non, raté. C'est un problème avec vos loopings aujourd'hui, putain. C'est dur là d'enchaîner sur des virages directement après un loop quand on n'a pas la visu. Faut connaître et faut s'y préparer. Je suis pas fan de ça, hein. Faut que je regarde du GPS. Comment ça je demandais des maps plus difficiles? Ah ouais? J'ai vu. Salut John! Enfin re plutôt. Ok propre. Ok. Oh, cela on peut dire oui, hein. Pour moi, cela c'est un oui. Salut Xera. Pour moi, cela c'est un oui. J'aime beaucoup. Je parle un peu trop de speed là-dessus, mais. Oh, c'est passé. Dommage. Alors là... Là... C'est juste ça qui m'embête un peu parce que t'es obligé de beaucoup freiner là-dessus, mais... On trouvera des strats. Non, celle-là elle a l'air cool en vrai. Elle est bien, bien dosée en plus en termes de difficulté. Enfin, je suis... Oh, elle est cool. Elle est cool. Ah bah c'était Shine. Bah écoute, Shine... C'est quoi, c'est... Inazami. Bah ça part dans le dossier. Hop. Inazami, GPRX potentiel. Let's go baby. On a combien de temps de VOD? 34 minutes. Ça va, on peut continuer d'enchaîner. GPRS overheating. Oh bah Xerar qui arrive pile poil pour sa carte. Bien joué à lui, joli sniping. Ah, allez, let's go. Allez Xerar, ça part. Xerar il fait des cartes que j'aime bien. Même si elles sont très spéciales et des fois il faut comprendre. Oula, je crois que c'est un magnet.
La première fois que je m'étais préparé à avoir un magnet, j'ai raté. Dommage. Oh, c'est stylé. Je tente là. Je suis paniqué. Je tente ici. Pardon ? Je sais pas si j'ai compris. Et c'est la fin. Donc du coup, fallait d'abord passer en bas. D'abord passer en haut à droite. Dommage. Alors. Oh, c'est comme ça qu'il faut faire en plus. Ah, c'est vrai, j'ai vu qu'après. Ah oui, putain, c'est... Ok. Bon, ça, on a vu. Hop, hop. Hein, allô, à l'aide. Ok, vu. On va où? Ah. Celui-là, il est chaud. Bon, ça, en vrai, il y a de l'espace. Je vais où? J'en sais rien. Wow. À mon avis, je pense que j'étais bien parti. Sauf qu'après, il faut aller là. Pas du tout. Ça et tout ça, du coup. En vrai, c'est possible. En vrai, c'est possible. Et là, du coup, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Ok. La map m'a l'air trop bien. Maintenant, faut voir si elle est pas trop difficile. On va tenter un deuxième run, hein, puis on verra bien. Ah mec, déjà ça, déjà là, on va mettre un bloc. Hein. Non, genre, pas goût à prendre. Non, non, non. Rien que le start, mon bro, t'as pas envie que je la prenne comme ça, hein, je te le dis. Hein. Ça passe large hein, quand t'as la trage en dirt, mais si t'as pas la trage en dirt, bon, bro, c'est dur. Non. Ça va faire attention parce que c'est pas collé. Ça c'est bon. Là il faut prendre ça pour pouvoir voilà, provoquer une espèce de deux roues chelou. Transfert dans l'autre sens. Ah dommage. Celui-là il va être tight. Il faut avoir beaucoup de speed pour le prendre correctement. Ensuite là ça pose pas trop de problèmes. La descente ça va. Non, en vrai ça, la map elle est pas trop dure. Il y a juste le start, à mon avis, il faudrait un bloc de transition. Pour pouvoir simplifier le landing parce qu'il est vraiment chaud. Saute juste plus bas. Non, là si t'as pas la speed, tu finis dans le mur. Si t'as pas la speed, tu finis dans le mur, c'est pas ouf. Ça, je sais pas trop comment faut faire pour l'optimiser. Ça pareil, je sais pas trop non plus. Je pense que le GPS risque d'apprendre beaucoup de choses. J'ai hâte de le regarder. Décidément, j'ai du mal avec ça.
Bah non. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire ici, à mon avis. Ok, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Hop! C'est parti! Exaltic Zerar, montre-moi tout. Ouais, c'est bien ce que je pensais au niveau du trick. Ok, mini drift, garder maximum de speed. Ok, ça marche, jusque-là ça va. Ouais, elle se roule bien, moi je trouve. Ah oui, d'accord, oui, bah c'est vrai que c'est plus logique comme ça. Ok, bah moi non, franchement elle se roule bien. Juste le start, faudra mettre un bloc de plus, un bloc de recep en plus, mais sinon beau boulot, hein, Xerar, comme d'hab. Elle est plus simple que ce que j'aurais pu croire. Je pensais que t'allais m'envoyer une map ultra difficile du cul, et au final, bah, overheating est plutôt sympa. Hop, dans le petit dossier. Hop, let's go, la suite. Pinky Peel avec Gurtz, c'est parti. Oh bah nickel, pendant que ça charge, moi j'ai cherché ma cigarette électronique. Ah, je le viens. Ok, c'est parti. Il va y avoir Delt tous les... D'accord, j'ai rien compris. j'ai essayé à tripile, mais... Back for GPS, ça marche. Alors, c'est parti. Là-bas... Il faut aller où, je sais pas. Je dirais à gauche, grâce à la bulle, mais... Pas sûr. Même pas grâce à la bulle du tout, ok. On a eu le premier CP, c'est cool. Celle-là, je vais la découvrir en cam 1 majoritairement parce que je vois pas la route. Ah oui! Bien joué. Je vois pas la route, c'est trop dur en cam 2. J'ai fait ça à l'envers, ok. Ah là, c'est bon. Ensuite, t'as trop à l'aide. Dommage. Ouais. On va à droite ou on va en haut? C'était à droite. Dommage. Je suis un peu déçu. Bon, le panneau me montrait à droite, mais ça aurait pu être très bien à droite après le looping, tu vois. Oh, c'est une blague. Attends, il y a une CFO ou pas, du coup? Bon, arrête, Nefarox, ça se faisait. Moi, j'y croyais à mort. Je pense que je suis sur une CFO. Sur une passway en vrai. Ouf. God damn. Ok. Au moins je l'ai eu. Ah. Bravo. Et là c'est finish. Non, c'est pas finish. C'est checkpoint. C'est checkpoint, into on continue. Oh yes, je l'ai eu. Et là c'est finish. Si on a de la vitesse. Et si on est nul, faut continuer un petit peu à gauche. Ok. Regarde là-bas par en cam 7, ok. Back for GPS, j'imagine.
Elle a vraiment cool. Hein. Bon, ça, on la prend. Après, qu'on la prendra dans le pack définitif, on verra. Mais là, pour l'instant, elle est retenue haut la main. Elle a l'air vraiment stylée. Elle est pas trop dure. Il y a quelques plateformes et tout. Franchement, on roule bien. Moi, je trouve qu'on roule vachement bien. Ah, d'accord. Petit rebond sur le châtal. Oh, ok. Joli finish. Et du coup, attends. Pourquoi tu veux que je regarde la carte en... Et donc, par-dessus là pour KM7, qui est celui que je regarde? Tu veux dire que l'eau c'est un labyrinthe, c'est ça? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, la fin par contre elle tire un peu du cul. Je dois dire. On perd en rythme sur la fin, j'ai l'impression. C'est vraiment fou de blind, quoi. La cam 2 ici, ça va être oh, à prendre la map en cam 2. Ah non. Ah, pour la déco. D'accord. On la voit assez en roulant, non? Ah, elle est sympa la playlist. Je vais la sortir plus souvent, je pense. Non. Non plus. Bon, vas-y, laisse tomber. Passerai jamais. Tellement rush t'as déco. Ah ouais. On coupe bien wesh. Attends, j'arrive pas encore que je récupère. J'ai réussi à récupérer ça quand même. Pas mal. Pas mal. Ah, dommage. Non, en vrai, ça, celle-là, je... Franchement, je valide. On valide. Non, franchement, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. Elle est pas trop difficile en plus. Je pense que celle-là, on va bien se taper des barres dessus. Après, on verra si elle sera conservée au final. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. On a combien de temps de VOD? 48 minutes. Vas-y, YouTube, je relance. À toutes!